L'enculé à sec prospérera. Un grand merci à Bat pour avoir fait l'introduction de cette vidéo. J'espère que ses parents étaient d'accord. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette FAQ spéciale mois de mai. C'est surtout pour les tipeurs, mais pas que, c'est aussi pour les gens qui regardent les vidéos sur YouTube, la chaîne, et qui aiment bien Bad News ou Culture Z. D'ailleurs, à ce propos, fans de Culture Z, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu d'émission. La dernière émission était un peu longue à monter pour Thomas, mais elle sort ce vendredi à 17h45 sur la chaîne. La Culture Z spéciale années 80, avec beaucoup de comics Marvel surtout, mais pas que. Il y a une belle Batmobile, et il y a des bustes Batman de ouf d'ailleurs dedans. Mais il n'y a pas que ça, et il y a aussi les films des années 80. Voilà, c'est un gros, gros collectionneur. On commence cette FAQ spéciale Tipeee par une méga, méga bonne nouvelle. J'ai mis des paliers sur Tipeee. Vraiment, c'était des paliers hypothétiques. Je me suis dit, personne, à aucun moment, on va dépasser ces paliers. Eh bien, le premier palier a été dépassé le mois dernier. Le premier palier de 1000 euros. Où on proposait une bad news supplémentaire dans le mois. Donc, bad news supplémentaire, il y aura avant l'été, parce qu'on était à 1050 euros ce mois-ci sur Tipeee. Merci, merci encore, merci à tous, à tous, à tous. Ça nous permet vraiment de continuer à imaginer des choses pour la chaîne, à imaginer ce qu'on va faire avec Encul à secte ou plein de choses comme ça. D'ailleurs, un grand merci à un duc du trou d'Encul à secte qui nous avait envoyé des fichiers pour imprimer ce crucifix. Et merci beaucoup à la chaîne le Labo d'Heliox de nous avoir imprimé ce crucifix. Sur Tipeee, il y a 1000 euros, 2000 euros, 2000 euros, une bad news spéciale régionale, c'est-à-dire qu'on vient chez vous tourner le bad news. 3000 euros, un mini sketch. Comme vous avez pu voir, Nanani Nanana ou L'Âge de Pierre, avec un peu moins de budget, je pense. Et 4000 euros, un Culture Z sur un collectionneur célèbre ou à l'étranger. Pour l'instant, on a juste dépassé le premier palier, ce qui est fou, ce qui est génial. Donc, la bad news supplémentaire, elle va être un peu spéciale. On va avec Thomas à Bordeaux, le 9 et le 10 juin, au Bordeaux Geek Festival. On se rend dédicace et il y aura la diffusion de la bad news en avant-première de la semaine suivante. Ok ? On va faire des dédicaces. Et pendant les dédicaces, on aura une caméra. Et je vais vous raconter des bad news. Vous allez venir avec nous, ceux qui veulent bien sûr. Et vous serez dans l'émission spéciale Tipeee. La bad news supplémentaire pour le palier atteint. Donc ça, c'est le 9 et le 10 juin à Bordeaux. Ensuite, je dédicace le 8 juin à Bulle de Bray. La grosse nouvelle pour moi ce mois-ci, il y a David Morier versus la mort qui sort mercredi prochain, le 5 juin. Je serai en dédicace à Bordeaux avec, sûrement, et à Bulle de Bray aussi. C'est une BD autobiographique où je raconte ma vie avec la mort, on peut dire ça. Je raconte aussi que la petite mort m'a permis de faire plein de choses dans ma carrière, dont de rencontrer des gens qui travaillent dans les milieux de la mort, et j'ai pu faire un stage en thanatopraxie. Et là, vous voyez, c'est le premier mort que j'ai vu. J'ai dessiné et j'explique comment on embaume les gens, ce qui est vrai, ce qui est faux sur les enterrements, etc. etc. Cette BD, j'y tiens beaucoup, j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà. Donc ça sort mercredi. Le 14 et le 15 juin, je serai à Annecy pour le festival de l'animation à Annecy. Et il y aura en avant-première la diffusion de Spices. Spices, c'est un film que j'ai aidé, j'étais à l'écriture, donc c'est pas moi qui ai eu l'idée du film, mais j'ai aidé à l'écriture, j'ai fait tous les dialogues et j'ai écrit les gags dans le film et j'ai eu la chance de pouvoir faire les voix avec Monsieur Poulpe, les voix françaises. Et vous pourrez venir voir en avant-première le film, il n'est pas encore programmé au cinéma malheureusement, mais en tout cas il y aura deux diffusions, le 14 et le 15 juin à Annecy. Et le 15 juin, ça sera en présence de Monsieur Poulpe. Je serai là les deux jours. Et il y aura une dédicace le 15 juin au matin pour L'Âge de Pierre. Et je serai avec la dessinatrice de L'Âge de Pierre. L'Âge de Pierre. Et courez voir le court-métrage qui est sur ma chaîne aussi. Les gens aiment bien, en général, voilà. Et vous pouvez connaître toute la bande dessinée. Toute l'histoire en achetant la bande dessinée. Voilà. Je serai avec Héloïse en dédicace à Annecy. Je vais vous mettre des liens pour aller
pour acheter les liens vidéo, tout en dessous de cette vidéo-là. Il y a un mois, je mettais Nanani Nanana avec Eleanor Coste, L'âge de pierre, c'est avec Audrey Pierrot et avec Brigitte Lecordier, avec François Frappier, puis avec Dedo. Ce mois-ci, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire de mes post-it sur Instagram. Je fais plein de post-it sur Instagram et j'ai fait un post-it qui a beaucoup marché, où j'ai mis, sauf Benalla bien sûr, un panneau d'interdiction où j'avais collé dessus un panneau de route interdiction de passer. Et j'avais marqué un post-it avec écrit « Sauf Benalla bien sûr ». Ce truc a été repris. Les gilets jaunes l'ont repris sans savoir d'où ça venait. Donc c'est cool. Et un ami à moi, Julien Marie, qui a réalisé Nanani Nanana, a eu envie d'en faire une chanson, puis un clip, et m'a proposé de jouer le rôle de Benalla dedans, et m'a demandé d'avoir des idées avec lui. Donc, mi-juin, va sortir sur la chaîne un clip où je joue Benalla. Voilà. Regardez ce petit extrait, vraiment petit. Mais au moins, vous voyez à quoi je ressemble en Benalla. Le 22 et le 23 juin, on sera à Toys Impact à Metz avec Thomas. Là-bas, on va filmer un Culture Z spécial, salon, et on diffusera des Culture Z et peut-être une bad news, on ne sait pas, surtout des Culture Z vu que c'est le monde du jouet. On sera aussi en dédicace. Le 29 juin, je serai en dédicace à Paris pour Paris et Ludique, un salon où vous pouvez venir jouer à des jeux de société. Vous pouvez les tester, vous pouvez les acheter bien sûr, mais c'est... Tous les jeux sont testables et j'y serai pour le jeu de société de La Petite Mort. Lien achetable en dessous, tout ça. Je vous rappelle que La Petite Mort saison 2 est sortie. Est en train de sortir tous les dimanches à 10h. Le dernier épisode est assez ouf. J'adore l'introduction qui pour moi résume l'humanité. Et comme je vous rappelle, l'humanité est une belle brochette de cons. Et j'ai l'impression d'avoir réussi à la résumer en ce petit pré-générique. Voilà, allez sur Slash, vous tapez La Petite Mort. Saison 2, il y a déjà là, pour La Petite Mort, vous pouvez regarder une trentaine d'épisodes déjà. Entre la saison 1, la saison 2 et La Petite Mort FAQ. Nous allons maintenant faire les tirages au sort pour savoir qui a gagné ce fabuleux dessin. Je rappelle que lorsque vous donnez sur Tipeee, si vous donnez à partir d'un euro, vous êtes en générique dans toutes les émissions de la chaîne. Voilà, tous les mois on change. Si vous donnez plus de 20 euros, grâce à notre partenaire Comic Zone, vous pouvez remporter des lots. Le dernier lot, on va faire à l'envers, c'est un mug. Le deuxième lot, c'est une figurine pop. Et le premier lot, c'est pour 50 euros de comics. Voilà. Si à partir de 20 euros, vous pouvez gagner ça. Et Comic Zone, tous les mois, envoie à 3 gagnants. À partir de 20 euros, vous pouvez gagner ça. Et si vous donnez au-delà de 50 euros par mois, tous les mois, je mets en jeu un dessin original de La Petite Mort que je fais spécialement pour l'occasion. Et signé, et je rajoute votre nom. Voilà. Il est temps de faire le tirage au sort. Tout d'abord, le tirage au sort pour les cadeaux offerts par Comic Zone. Alors attention. C'est parti. Beb Jaune, encore ! Tu gagnes tout le temps. Donc, Beb Jaune, tu remportes le mug. Dylan, tu remportes la figurine pop. Et Pierre, tu remportes pour 50 euros de comics. Maintenant, je vais faire le tirage au sort avec les gens qui donnent uniquement... Là, il y a tout le monde. Il y a les gens de 20 euros et de 50 euros. Maintenant, je vais faire avec uniquement les gens qui donnent plus de 50 euros. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a donné 150 euros ce mois-ci. Merci beaucoup. C'est fou. C'est à cause de toi qu'on doit faire une bad news en plus. Ou grâce à toi, je sais pas. Voilà. Hop, un tirage au sort. C'est reparti. Attention. Anthony, tu gagnes ce dessin de La Petite Mort. Encore une dernière chose. Beaucoup d'entre vous ont demandé un uTip. J'ai essayé. Je me suis abonné à uTip. J'ai été validé. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, mais je m'engage à essayer de vous mettre le lien uTip de la chaîne en dessous de cette vidéo. Je mettrai un commentaire et je mettrai dans un commentaire tous les liens dont vous avez besoin sur tous les trucs que j'ai abordés
dans cette FAQ Tipeee. Voilà, cette FAQ est de plus en plus longue. Pourquoi ? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à me suivre à nouveau peut-être même. Des gens me disent « Ah, je t'avais vu dans Nerds, maintenant je te redécouvre. » C'est génial, c'est super, je vous aime. N'oubliez pas que j'ai des bandes dessinées. Je suis très fier de La Petite Mort, je suis très fier de L'Âge de Pierre. Donc si vous connaissez que mes vidéos, je vous invite à découvrir l'univers papier que je mets en place. Voilà, et dessin animé qui est complètement gratuit. Donc si vous avez envie de découvrir La Petite Mort, allez sur Slash. Voilà. Et puis, merci, merci encore à tous. Et n'oubliez pas que Tipeee, c'est le nerf de la guerre. Et Tipeee est en lien juste après cette vidéo. Là, déjà, le Tipeee est là. Voilà. Des bisous. Ciao.